Bon, j'attends votre position. Michel, est-ce que tu peux ramener Georges-Paul à la gare? Es-tu en état? J'ai prévu. J'en ai bu que 5. Impeccable. Qu'est-ce que je vais dire? Pour les autres, rendez-vous ce soir pour une conférence de presse au bar Le France. Et pourquoi au bar? Mais pourquoi au bar? Pourquoi au bar, Gilbert? Parce que si on le fait pas au bar, les journalistes ne viendront pas. Réfléchis, quand même. Fini les peurs et les humiliations. Fini les remarques et les désillusions. Demain sera notre jour, tous ensemble, tous ensemble. Allez, tous ensemble. Fini les peurs et les humiliations. Fini les remarques et les désillusions. Demain sera un autre jour, tous ensemble, tous ensemble. Alors si quelqu'un va acheter le disque, on en a, Jean-Louis est là. Ouais. Alors c'est bon, vous êtes là, France 3? Oui. On va pouvoir faire le reportage. Ah ben non, on n'a pas le matériel. Comment ça, on n'a pas le matériel? Grève des gardiens du parc de matériel. Merde, et vous non? Ah non, nous les journalistes, on fera grève les lundis et jeudis. Une semaine sur deux. Plus un mardi par mois et un mercredi par trimestre. C'est compliqué à retenir tout ça. Ah ben, c'est pour pas gêner la grève des trains. Faut qu'ils tiennent le coup, les cheminots? Oui, ils essaient de s'entendre avec les aiguilleurs du ciel pour que ce soit le bordel tout le temps. C'est que c'est du travail de foutre le bordel tout le temps. Oui, c'est du boulot, hein. J'aime quand ça débat, quand ça fuse. Mmh. Hein? Moi aussi, je fuse. Je vais te manger le corps. Titou.